Les Journées du Patrimoine, un rendez-vous culturel gratuit. Les Journées européennes du patrimoine, organisées par le ministère de la Culture depuis 1984, ont lieu chaque année pendant le troisième week-end de septembre. Cette manifestation permet de découvrir des musées ainsi que des édifices et des lieux exceptionnellement ouverts au public à cette occasion. Il serait dommage de s'en priver, c'est gratuit. Un week-end de découverte. Les Journées du Patrimoine sont une manifestation culturelle organisée chaque année à l'échelle européenne. Elles se tiennent pendant le troisième week-end du mois de septembre et sont un moment privilégié de découverte du patrimoine culturel européen. À cette occasion, de nombreux édifices ouvrent exceptionnellement leurs portes au public. Les musées participent également à l'opération en offrant un accès gratuit à leurs collections. Ne manquez pas ce rendez-vous qui permet d'admirer notre patrimoine national dans toute sa richesse. Vous pourrez découvrir des monuments, églises, théâtres et châteaux, mais aussi des demeures privées, des parcs et jardins, des sites archéologiques, des banques, tribunaux, préfectures, palais de justice, hôtels de ville et chambres de commerce, habituellement fermés au public. Historique de cette manifestation, les Journées européennes du patrimoine ont été instaurées en 1991 par le Conseil de l'Europe sur le modèle des Journées portes ouvertes des monuments historiques, créées en 1984 par le ministère de la Culture français. Jack Lang, alors ministre de la Culture en France, a contribué à donner une dimension européenne à cet événement. Ces journées concernent aujourd'hui plus d'une quarantaine de pays et régions d'Europe. Ces manifestations locales se déroulent de fin août à début novembre. Depuis 1995, un thème général est proposé au niveau national. En 2006, cette opération a enregistré plus de 12 millions de visites. À noter, lors de ces journées du patrimoine, les monuments les plus visités sont ceux de la capitale, en particulier les lieux officiels du gouvernement, comme le palais de l'Élysée, les ministères, le palais Bourbon et le palais du Luxembourg. Edition 2023. La prochaine édition des Journées du Patrimoine se déroulera les 16 et 17 septembre 2023. Cette année, cette manifestation a pour thème patrimoine vivant et patrimoine du sport. Elle sera l'occasion pour le grand public de visiter les lieux et les monuments où la citoyenneté s'est construite. Il s'agit notamment de lieux de pouvoir et de décision, mais aussi d'espaces de liberté. Pour trouver des idées de visite dans votre région, rendez-vous sur le site officiel ci-dessous.